Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Joxbox TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, la saison 3 est arrivée, je suis super content, il y a eu plein de nouveautés. Après on verra pour ce qui est du duo, hein, on attend tous le duo. Et aussi peut-être une modification de la carte, un de ces quatre. Donc voilà, bon là on va parler de comment débloquer tous les accessoires sur une arme en fait. Vous n'avez même plus besoin de la monter, vous allez avoir tous les accessoires possibles qu'il y a d'une arme. Donc voilà, je vais vous donner la solution, comment faire. Donc déjà n'oubliez pas de vous abonner. Pensez à vous abonner, hein, ceux qui regardent mes vidéos, liker et mettre un petit commentaire, voilà, si ça vous a plu, cette vidéo. Donc, il y a deux choses à prendre en compte. Il faut être, faut que l'arme soit niveau 10. Donc, arme niveau 10. Donc, quand vous êtes niveau 10, vous n'avez pas débloqué tous les accessoires, hein, bien sûr, c'est que le début. Et que vous ayez le multijoueur, donc que vous ayez le jeu complet. Donc, pour la suite, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc, vous devez aller dans le multijoueur. Donc on va sortir de Warzone, on va dans le multijoueur. Ensuite déjà je vais vous montrer d'abord en Warzone que je n'ai pas débloqué tous les accessoires d'une arme. On va commencer par ça. Par exemple, je vais vous montrer ça. Hop. Quelle arme j'ai jamais utilisé? Voilà, niveau 13 de l'HDR. Donc quand je vais sélectionner, voilà, j'ai pas débloqué par exemple les bouches, je ne suis pas au top. Canon, j'en ai qu'un sur deux. Les lunettes, c'est pareil, je les ai pas débloquées. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai pas débloquées. Donc je vais faire l'HDR, comme ça au moins vous allez bien comprendre comment faire. Donc vous partez en multijoueur. Donc quand vous êtes dans multijoueur, vous descendez tout en bas, vous allez dans épreuve et game battle. Vous descendez en bas, game battle. Ensuite, vous allez sur l'onglet armes, modifier équipement. Donc une fois que vous êtes là, vous allez dans, vous choisissez votre arme, donc vous faites équipement, vous choisissez l'arme. Donc là, je vais faire l'HDR, comme ça, moi, vous voyez. Donc je suis bien niveau 13 de l'HDR. Et là, vous avez tout qui est débloqué, donc on va mettre les plus gros trucs, la lunette, la dernière lunette, dernière crosse, dernier atout. Voilà, hop. Voilà, donc voilà, j'ai mis plein d'accessoires que je n'ai pas accès en Warzone. Ensuite, vous faites L2, donc le bouton en haut à gauche. Vous faites saisir un nom, donc là par exemple, je vais mettre HDR perso par exemple. HDR perso. Ensuite, vous validez, hop, sauvegardez la modification. Voilà, donc là, c'est sauvegardé, HDR perso. Ensuite, vous retournez sur le mode Warzone, si ça veut bien m'enlever. Voilà, vous retournez sur le mode Warzone. Et là, quand vous regardez, donc vous allez dans Armes. Je vais faire par exemple, du coup, je vais aller sur l'HDR. Donc là, vous allez dans... donc vous cliquez sur l'arme. Donc là vous avez tous vos fusils. Et là vous voyez Arsenal. Donc vous allez sur Arsenal à droite. Et là vous voyez, il y a mon HDR perso avec tous les équipements. Donc voilà, vous voyez en haut équipé avec tout ce que j'ai. Et là je la sélectionne et voilà, j'ai mon HDR tout équipé. Donc sans alors qu'elle est que niveau 13. Donc il faut en profiter avant qu'il corrige ça, parce que ça risque d'être corrigé. Si vous souhaitez par exemple, je sais pas moi, par exemple, tester la CAR 98. Je sais qu'au début, il n'y a pas de lunettes, tout ça. Donc voilà, vous pouvez faire votre classe comme ça. En tout cas, je trouve que c'est très intéressant. Donc faites-le avant que ce soit corrigé. N'oubliez pas, voilà, pour de vous abonner pour toutes ces astuces que je vous donne, ces petits glitches par-ci par-là qui peuvent vous être utiles. Et je vous souhaite un bon jeu à tous.